Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Graveyard Keeper. Alors, ça fait un petit moment que personnellement je n'ai pas joué. Donc on va checker un petit peu où on en est et ce qu'il faut qu'on fasse. Il me semble qu'on devait récupérer des artefacts. La teinture de souvenir, oui, on en est toujours là avec l'or où on bloque un peu. Déterrer les anciennes entraves quelque part entre le cimetière et les marais. On l'a pas fait ça? Si, je les ai, les anciennes entraves. C'est ça, il manque un autre truc. Aider l'astrologue, ça on peut pas. Récupérer les organes noirs, on est en cours. Aider Serpent avec son rituel. Je sais plus à combien on en est, tiens, ça. Obtenez des papiers, oui. Obtenez des papiers, oui. Ça, je m'en souviens, il faut de l'argent. Fournissez le sang, oui. Obtenez l'amulette de l'ancien dieu du gardien du phare. Et je ne sais plus ce qu'il m'a demandé pour l'obtenir. Donc écoutez, on va aller checker. On va aller checker vite fait. Il y a un truc qui a été fabriqué ici. Voilà. Hop, on pose ça, on pose ça. Et on va aller checker, je disais. Il n'y a plus d'eau ici. Pourquoi il n'y a plus d'eau? On va checker de l'eau. On va aller checker de l'eau. Ça fera pas de mal. Il n'y en a plus? Ah non. Zut. On peut aller checker de l'eau ailleurs. On peut aller au camp de réfugiés. Y a personne qui veut me parler là, je peux toujours pas améliorer le camp jusqu'au bout. Bon, tant pis. On va ici récupérer de l'eau. Plus d'énergie, voilà. Au moins on s'est ramené pas mal d'eau. J'attends un tout petit peu. Et on peut rentrer. Utiliser domicile. Hop. On va poser toute l'eau qu'on a. J'en ai mis ailleurs. Non, j'en ai pas mis ailleurs. Et c'est reparti. Pour refaire des bières. Moi, je voulais aller checker à combien j'en suis avec Serpent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du marchand. Le jour du marchand, j'en ai pas besoin. Et Serpent, j'ai toujours pas fini. Combien de sang il me manque? On va aller voir ça. Parce que là, ce serait bien d'avancer un petit peu tout ça. Là, j'ai un corps en attente. Pourquoi j'ai un corps en attente? C'est un corps assez propre. J'aurais pu en faire un zombie éventuellement. J'ai 11 de sang. Donc, je peux en prendre 10. Je peux même en prendre 11. Je peux en prendre 11 parce que je peux aller faire une mixture. Voilà. C'est peut-être la foi qui me manquait, cela dit. Oui, c'est ça, j'ai que deux fois. Donc c'est la foi qui me manquait. C'est pas grave. On aura un petit jus de zombie d'avance. Et là, on peut faire ça, et on est à 20. Ok, donc le jour de serpent, on le rate pas. Moi, je vais me téléporter au phare. Et lui, obtenez l'amulette. Je ne me souviens plus de ce qu'il m'a demandé pour obtenir son amulette. Zut. Faudrait que je regarde mes anciens épisodes pour me souvenir. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Nous, on va rentrer à la maison. Ou on passe par la taverne. On passe par la taverne, voir s'il y a eu un peu d'argent. Là, il va nous falloir des papiers d'aristocrate. Eh ben, c'est pas gagné. Et je suis au max de mes étoiles. Donc, il faudrait que je fasse un nouveau spectacle. Ok, on va se faire un nouveau spectacle.
Et il y a un cadavre. Il faut qu'on se cale à un spectacle. Et qu'on se pose, hop, quelques trucs. On va aller s'occuper du cadavre. Ça sera toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'on a? On a l'intestin noir. Ok. Donc il nous faudrait le reste, s'il vous plaît. Eh ben voilà, le cœur noir. Si c'est pas merveilleux. Il nous en manquera plus qu'un. J'allais dire qu'est-ce qu'on fait. Mais en soi, ce cadavre est très joli. Ce cadavre est même très très joli. Regardez, notre premier cadavre à 7. À voir si on a de meilleurs organes. Là, on a un plus 2. Non, pas vraiment. Ah si, on a un cerveau qui rajoute juste un blanc. Ça serait la même chose. Ça serait exactement la même chose. Bah celui-là, on va se le zombifier. Celui-là, on va clairement se le zombifier. D'ailleurs, j'allais me faire un deuxième jus de zombie. Comme ça, on pourra zombifier les deux et les mettre dans les champs, peut-être. Ah, j'ai quelque chose dans la gorge. Jus de zombie, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, il va nous manquer les prières. C'est dans un petit moment, quand même. Il va nous manquer les prières. Il nous manque un organe noir. Il nous manque un organe. Hop, parce que je suis feignant. On va se remettre des bières à fabriquer. Qu'est-ce qu'on peut remettre à fabriquer ici? Ici, il n'y a plus de quoi chauffer. Le jour de serpent. Oui, serpent, on en a besoin. Il va falloir que j'aille le voir. Je vais juste chercher de quoi chauffer. Charbon, on va en prendre 50. Voilà. Et on y retourne. Je crois que je l'ai vu passer, serpent. Hop, 50 là. Ici, tu vas me faire ça. Et nous, on va aller voir. Du coup, pour lui donner... pour lui dire qu'on a réussi, en fait. Salut, serpent. Le collier, tu me dis rien de plus. Bon, tant pis, le rituel. Alors, comment trouvez-vous le décor? Je suis impressionné, surtout par cette tête de citrouille. Il faut vraiment avoir un côté malsain pour aller imaginer une chose pareille. Bon, l'endroit c'est réglé, maintenant je vais avoir besoin de disciples dévoués. Oh, je vais aussi avoir besoin d'une épée de Damas. À quoi cela va-t-il vous servir? Vous verrez, forgez-moi une ou achetez-en une au fort de la montagne. D'accord. C'est dommage, je crois que j'en ai jeté une. Ah non, j'en ai une sur moi. Oui, mais je vais pas lui donner la mienne. Les choses que je cherche. Savez-vous où je peux trouver ce que je cherche? Ce fut très facile, je n'ai même pas eu à chercher. J'ai juste passé une soirée au pub de la ville, vous savez, les rumeurs. Le miroir de l'orgueil, tout le monde sait que l'évêque le trimballe partout. Les gens disent que le miroir l'aide à converser avec son patron. Un charbon ardent éternel, le garde de l'inquisiteur, m'a appris que c'était l'artefact le plus puissant de son maître. Il le garde dans sa poche, et ça le brûle tout le temps, c'est pourquoi il est toujours tellement en colère. Une fourchette salée. Votre ami le marchand en possède une. C'est étrange, d'habitude nous n'utilisons que des cuillères dans la ville, ou nos mains. Il semble que cela l'aide beaucoup à manger. Merci serpent, je hais la politesse. Ok. Bon,
On avance. Il va falloir donner l'épée. Je vais pas filer la mienne d'épée. Donc il va falloir que j'achète une autre épée. On en revient toujours au même problème. Je pense clairement que je vais laisser un peu tourner le jeu et fabriquer des alcools le temps de se renflouer un peu. Peut-être fabriquer quelques caisses aussi. Je ferai peut-être ça à la fin de l'épisode, enfin entre les deux épisodes. Parce que du coup c'est pas forcément très intéressant de passer en boucle du craft. Mais au moins on aura une petite base d'argent. Parce que là on se bloque dans pas mal de choses. Bon, on a des besoins d'argent, Ça on va poser, Il me faut le jour des prières en fait. Là, je vois pas bien ce que je peux faire d'autre que le jour des prières pour avoir la foi et pouvoir faire ce dont j'ai besoin. Donc, c'est parti pour le jour des prières. Le jour de l'Inquisition. Ah non, je crois qu'on peut plus faire de petite fête pour l'instant. On va peut-être se laisser tourner jusqu'au jour des prières. Je sais plus s'il me reste un cadavre ou pas à récupérer. Faudrait que j'en commande d'autres de toute façon. Vu que j'ai besoin encore d'organes noirs. Et ben voilà, on a ma réponse. Ça serait pratique d'avoir les organes qui manquent. Comme ça, bim, on finit le truc de l'Inquisition demain. Par contre, il n'y a plus de place sur la table. Donc celui-là, il va sûrement brûler. Ou être enterré. Oh, encore un cœur noir. On va l'enlever. Voilà, et voilà. Et on va se retrouver avec un cadavre à 5. Écoutez, c'est pas si pire. Des beaux, un bel intestin. Hein. Juste un petit plus au niveau du crâne. Quoique. Ah, faut que je vérifie. Son intestin, il fait plus. Du coup, oui, c'est annulé. Parce que du coup, là, tac, si je fais ça. Si je fais ça et que je lui pique son intestin. Quitte à en être là, je vais lui piquer tout ce qu'il a, parce que celui-là, on va le brûler. Non, on va essayer un truc. Zut. On va essayer de se faire un super zombie. Voilà. Celui-là, on s'en fout. Hop, dans un coin, là. Tac. On reprend celui-là. Là. Alors, attention, faut pas faire d'erreur. Hein. Ah, maintenant, je l'ai redescendu. Pourquoi je l'ai redescendu? Il ajoute deux rouges. Et celui-là enlevé deux rouges. Ah bah non, non, c'était bien en fait. Bah non, zut, je pensais pouvoir faire mieux là, mais non, en fait, j'étais très bien là. Je peux pas lui rajouter un crâne de plus. Non, c'est pas grave, on va poser déjà toutes les merdes qu'on a. Voilà. Il nous manque un organe noir. Il manque le cerveau noir, zut. Voilà. Et nous, on va retourner méditer. À part si l'Inquisition, j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire avec l'Inquisiteur. Non, juste récolter les organes noirs. Donc on va se remettre en méditation. De toute façon, là, il nous faut de la foi.
J'aurais dû aller relancer un coup d'alcool. Avant toute chose. Voilà, on va remettre de l'alcool. Faut bien qu'ils aient à consommer les pauvres là-bas. Tac, tac. Et nous, on aurait presque pu dormir, mais en soi non, parce qu'il faut qu'on avance plus loin, donc on va faire méditer. On va méditer, je pense qu'on va méditer jusqu'au jour des prières, hors cadavre qui pourra arriver en cours de route. Je ne me souviens plus combien de carottes on avait mis. On va voir. On va clairement voir ça. Je pense qu'on va laisser... Il n'y a pas d'autres cadavres qui arrivent, a priori. On va laisser tourner. De toute façon, il n'y a qu'une journée avant le jour des prières. Après, on a les organes noirs à étudier aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quoi on utilise la foi? Parce qu'il faut aussi qu'on fasse un spectacle au niveau de la taverne. Je pense qu'on va se faire le spectacle au niveau de la taverne d'abord. Après les zombies. Et s'il en reste, on étudie. Je pense qu'on va le faire dans cet ordre-là. Allez, on attend un petit peu jusqu'à ce qu'il fasse jour, parce que sinon il va me dire « Ah, on peut pas prier. » Voilà. Et je pense... Ah, on va relancer de l'alcool. Il faudrait que j'aille voir l'évêque. Parce que Serpent m'a dit que du coup l'évêque avait un des objets qu'il me fallait. Il y a déjà plus d'eau. Sérieusement? Alors on va refaire un petit peu. Voilà. Et mettre un zombie de plus au niveau de la création d'alcool serait peut-être intéressant quand même. Allez, tu m'emmènes tout ça. Tac, tac. C'est parti. Nous, on va faire la prière. Et en ressortant, on ira voir le prêtre. Alors, où est mon livre? Là. Parce que ça fait combien de... Je crois que ça fait une quarantaine de fois, c'est ça? 30, 40? Il m'en restait deux, de toute façon. On va vite le savoir. Il m'en restait deux, donc ça en fait une quarantaine. On a dit, la première chose à faire... Déjà non, il faut que j'aille voir lui là devant. Je cherche un certain miroir. Votre sainteté, je crois savoir que vous auriez un miroir de l'orgueil. J'en ai besoin, en fait ma vie entière en dépend. Ah, mon précieux miroir, tellement de discours répétés en me regardant dedans. Ce miroir m'a aidé à comprendre l'importance de l'apparence dans une carrière. Ce miroir a créé ma superbe. Je l'ai depuis mon enfance. Des haillons à la richesse. Ce miroir m'a donné la confiance d'accomplir tous mes rêves. Peut-être qu'à ce point de ma gloire, je n'en ai plus besoin, qui sait. Peut-être qu'un jour, je vous le donnerai, quand je n'aurai plus besoin d'aucune preuve. Donc ça, il faut monter à 100 pour obtenir le miroir. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir faire la cérémonie. Ok, bon, ça c'est pas grave. Nous, on va direct au crâne qui parle. On se récupère un peu d'argent. Et on va se lancer, je pense, le concert de nos Elcharm. J'ai pas vu le projecteur fait que des bougies et une bassine en métal.
Moi, j'accélère un peu. Enfin, dès que je peux. Alors, beignet de poisson, ça c'est un peu vendu. Tranche de betterave, ils ont pas super kiffé. Enfin, t'as un peu d'argent. Voilà, on a eu le petit concerto de Mademoiselle Charme, donc ça c'est fait, c'est validé. Et de toute façon, pour l'instant, maintenant, il faut qu'on attende. Il faut qu'on attende. Là, on peut rien faire de plus. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'attendrait pas qu'il fasse nuit pour aller au fort de la montagne? Pour récupérer l'épée. Ça pourrait être intéressant. Ça veut dire qu'il faut qu'on attende là jusqu'à ce qu'il arrive. C'est un peu dommage quand même. On va aller faire des zombies. J'attends dès que ma pierre est disponible, on va faire du zombie. Hop là. On va au domicile. Au domicile, on va faire du petit zombie. Là, on va se relancer de l'alcool. Parce que vous avez vu, mine de rien, je suis remonté déjà à 3 pièces d'or 85. Donc en fait, ça va assez vite le gain de pièces avec, avec la taverne. Faudrait au moins que je nous gagne de quoi acheter les papiers d'aristocrate, comme ça au moins on peut avancer. Ça pourrait être une idée, je verrai. Je verrai ce qu'on fait. Déjà nous on va zombifier. Et on en fait quoi de super zombie là? Parce que lui il est bien. Lui il a vraiment quelque chose. Est-ce qu'on le met là au niveau des champs, histoire qu'il me fasse d'autres trucs? Ou est-ce que je le monte au niveau de l'alcool? Peut-être au niveau de l'alcool, il y aurait plus d'intérêt. Parce que du coup, si je veux gagner de l'argent avec la taverne, il faut que j'augmente l'alcool. Ah oui, il faudrait juste que j'augmente en fait la qualité du champ. Parce que là, je vais pas avoir assez de... Ah, c'est ça, je vais pas avoir assez de graines. Pas grave. Je vais aller chercher le deuxième zombie, on va le mettre au raisin. Et après il faut que je me fasse des graines. Il faudrait que je repasse voir Cloto pour essayer d'avoir la fichue recette qui me manque pour faire les engrais. On va se faire la récolte. Même si pour l'instant l'agneau ça va. Bon, on va quand même se finir la récolte. Voilà. On va ici, si on récupère le deuxième cadavre. Hop là, allez, zombie. Et tu vas aller faire du vin, toi, s'il te plaît. Bon, il me faudrait 3 zombies de plus pour les champs. On commencerait à être bien. Sachant que là, je peux faire 4 champs de plus, mais ça sera pour la haute qualité, je pense. Voilà, là, ça fabrique. Est-ce que je peux vite fait me téléporter au fort de la montagne? Il est encore là, parfait. Je veux t'acheter... Oh là là, ça coûte vachement cher. C'est pas grave, je t'achète ça.
Ça nous fera l'épée pour serpent. Moi, j'irai faire de l'argent au niveau de la taverne. C'est pas grave. Ah, on n'a pas la pierre de téléportation. On attend. De toute façon, là, on rentre. Hop. Domicile. On lance de l'alcool. On va lancer de l'alcool. Hop, ici on en relance bien évidemment. Ici on récupère tout ça. Les points, ça me sert plus à rien. Là, on se relance ça. Comme ça on va pouvoir relancer toute une série de gnolls. Ça fera du bien. Alors, je pense qu'il me faudra pas si longtemps pour aller chercher l'argent pour les papiers. Quelques récoltes de pommes, quelques récoltes d'eau. Puis ça ira vite. Là, il me faut quoi? Directement le raisin, d'accord. Je vais garder le raisin tel quel. Voilà, là on pose ça. J'ai pas ramassé de l'agneau moi. Là. Voilà. Et on va aller se coucher. Tac. Et ben nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.